those who don't speak French, can you lift your hand? Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Chaitanya Charitamrita, Adilila, chapitre 2, verset 43. Et c'est le verset 43 qui est marqué. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Vinayaka Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Je suis née dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, les différents volumes de la connaissance ont maître spirituellement ouvert les yeux, je l'ai rencontré des sens respectueux. Donc ce verset 43, Tritiya. Tritiya Karana Shuna Shri Bhagavan. 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 Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntha Dhamma. 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 Tritiya Karana Shuna Shri Bhagavan. Tritiya Karana Shuna Shri Bhagavan. Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntha Dhamma. Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntha Dhamma. Tritiya Karana Shuna Shri Bhagavan. Tritiya Karana Shuna Shri Bhagavan. Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntha Dhamma. Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntha Dhamma. Tritiya Karana Shuna Shri Bhagavan. Tritiya Karana Shuna Shri Bhagavan. Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntha Dhamma. Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntha Dhamma.
Translation. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, kindly hear my third reason. There are countless universes and fathomless transcendental Vaikuntha. Verset 44. Iteyata jivatara trakalika karma tahadeka sakshitomi chanasava marma. Témoin des actions passées, présentes et futures de tous les êtres dans les mondes matériels et spirituels, tu connais l'essence de toutes choses. Next verse. Both in this material world and in the transcendental world, you see all the deeds of all living beings in the past, present and future. Since you are the witness of all such deeds, you know the essence of everything. Verset 45. Tu maradar shani sarva jagatera stiti, tu mina le kinetaro naistiti gati. Les mondes existent parce que tu poses sur eux ton regard et les soutiens. Aucun sans ta supervision ne saurait vivre ou se mouvoir ou même exister seulement. All the worlds exist because you oversee them. None can live, move, or have their being without your supervision. Verset 46. Narera ayanayate taradarashana tahate ohautumi mulanarayana. Ainsi témoignes-tu des errances de tous les êtres. Pour cette raison également, tu es Narayan, le Seigneur originel. You oversee the wanderings of all living beings. For this reason also, you are the primeval Lord Narayan. Teneur et portée, Shri Prabhupada. Shri Krishna, sous la forme du Paramatma, réside dans le cœur de tous les êtres, que ce soit dans l'univers matériel ou dans le monde spirituel. Il est ainsi témoin de tous leurs actes passés, présent et futur. Shri Krishna sait donc ce qu'a fait chaque être pendant des centaines et des milliers d'existences passées. Il voit leurs actions présentes et connaît aussi les fruits qu'elles produiront dans l'avenir. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, l'entière manifestation cosmique se forme dès que Krishna pose son regard sur l'énergie matérielle. Rien ne saurait exister sans sa supervision. Ainsi, puisqu'il voit jusqu'au lieu de repos ultime de l'ensemble des êtres, il est le Narayan originel. Purport. Shri Krishna, in his Paramatma feature, lives in the hearts of all living beings in both the transcendental and mundane creations. As the Paramatma, he witnesses all actions the living beings perform in all phases of time, namely past, present and future. Shri Krishna knows what the living beings have done
for hundreds and thousands of past births, and he sees what they are doing now. Therefore, he knows the results of their present actions that will fructify in the future. As stated in the Bhagavad Gita, the entire cosmic situation is created as soon as he glances over the material energy. Nothing can exist without his superintendence, since he sees even the abode where the collective living beings rest is the original Narayana. Donc, dans ce verset, Krishna Das Kaviraj Goswami, qui en est l'auteur, va parler de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dans ce verset, Sri Krishna Das Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, is speaking about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et comme c'est une personne qui est très. C'est un érudit. Il s'appelle Krishna Das Kaviraj Goswami. C'est un très grand érudit. Il va commencer par nous expliquer qui est le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu par rapport à Krishna. And since Krishna Das Kaviraj Goswami is a great scholar, Kaviraj, he will start this whole narration by explaining who is Lord Chaitanya Mahaprabhu in relationship with Lord Krishna. Donc, comme vous avez pu le voir, là maintenant on est en train de parler du Paramatma, du Seigneur dans le cœur. So in this verse we are speaking about the Lord in the heart, Paramatma. Et le Paramatma, Krishna dans la Bhagavad Gita nous en parle. And Krishna speaks about the Paramatma feature in the Bhagavad Gita. Ce verset donc c'est dans la Bhagavad Gita 13:23. Upadrashta, Upadrashta, Mantashta, Porta Bhakta Maheshvara, Paramitmiti Chaputo, Tesmin Purushavaram. Il explique dans le cœur, Krishna explique dans le cœur, il existe une autre personne, le Seigneur suprême, qui est témoin et qui sanctionne les activités de l'être. So in Bhagavad Gita, this verse spoken by Lord Krishna explains that in the heart there is another person. He is the Supreme Lord, he is Paramatma feature, and he is witnessing and supervising, allowing the activities of each living entity. Et l'être qui est dans l'être, l'âme spirituelle, se trouve aussi dans le cœur. And simultaneously, the living entity itself is also present in the heart. Dans les Vedas, il est expliqué que si on compare la position de l'âme suprême et de l'être dans le cœur comme deux oiseaux sur un arbre. So in the Vedic scriptures, it is explained that the position of the spirit soul and the supreme soul, or Atma, are compared to two birds sitting on the same tree. En fait, c'est nous l'âme spirituelle, nous nous trouvons donc dans ce corps. On a l'impression qu'on est ce corps, mais non, on n'est pas le corps, nous sommes situés dans le cœur. So it is important, we are the spirit soul, and we think we are the body, but we are not the body, we are in the heart. Et donc, avec cette image, elle est très frappante. Parce qu'on voit, il y a l'âme suprême et il y a l'âme à côté, et nous, l'âme, nous mangeons les fruits de l'arbre. Et l'âme suprême ne les mange pas, elle observe, elle sanctionne. So this comparison is very vivid, very significant. We are one bird in the tree of the body, and we are the one who is eating the fruits of this tree. But the supreme soul, Paramatma, the Lord, himself, he doesn't take those fruits. Cette position, cette manière d'être du Seigneur, elle est très bienveillante. So this way of being and acting of the Lord in his Paramatma feature,
is very well wishing. Because, pardon, quand on a décidé en fait, quand on était on est éternellement un serviteur de Krishna, mais quand on a décidé de se rebeller ou de négliger son adoration, nous sommes tombés dans cet état matériel. We are eternally situated as a servant of the Lord, Krishna. But when we became separated, when we separated this relationship, then we fell down in the material world. Et on pourrait dire, comme on s'est rebellé, le Seigneur aurait pu dire, bon ben, tu fais tes expériences et puis tu verras si tu peux être heureux. C'est quelque part, c'est toi qui le décides. And since we are the one who rejected this relationship, the Lord could simply say, "Okay, that's your own decision. Try it. You will see what happens." Mais non. Le Seigneur nous accompagne. Il nous a accompagnés. Il nous accompagne dans n'importe quelle espèce de vie nous pouvons nous trouver. But the Lord does more than that. He will stay with us. He will stay with us in all our wanderings, this material world, whatever species of life we will take upon. Ça c'est un ami. Ça c'est vraiment un ami. En n'importe quelle situation, il est là à côté. Il est là à côté de nous. That's a real friend. In any situation, he stays near us, really. Alors on pourrait dire que quelque part il se fait presque pas remarquer. On ne se rend pas compte. Que le Seigneur il est toujours là à côté de nous. So in one sense, we can say that he is very discreet. We don't notice him. Mais il a une action certaine. Il nous observe et il sanctionne. C'est-à-dire que si, dès que nous avons un désir, nous ne pouvons pas par nous-mêmes le. Si nous voulons construire une maison, nous ne pouvons pas le faire. Donc c'est le Seigneur qui permet tout nos, qui permet que nos désirs soient comblés. But he is very active also, and as it is explained in this verse, he acts as a witness and also allowing us to accomplish our wishes, our desires. Without him, we cannot do. He is the one who is allowing us to act according to our own wishes. Et le principal problème, c'est que nous voulons dominer la nature matérielle. And our main problem is that we want to control this material nature. Et après, nous voulons nous l'approprier. And then we want to become the proprietor. Et c'est pas possible. And this is not possible. Donc c'est ce qu'essaie de nous expliquer le Seigneur dans notre cœur. And this is what is not possible, and this is what the Lord in our heart tries to explain to us. Vous allez voir comment Srila Prabhupada nous explique comment l'âme suprême se relie à nous. Srila Prabhupada explained to us many times how the supreme soul is relating to us. Commence par expliquer donc que l'âme elle fait partie intégrante du Seigneur et qu'il y a un lien d'amitié très étroit qui unit l'âme et l'âme suprême. Donc on a un lien très étroit avec Krishna. So Srila Prabhupada explained in a purport that first that there is a link between the Supreme Soul, the Lord, and the living entity, a very tight link, friendship. Donc le Seigneur, il accompagne l'âme individuelle et il essaie de la ramener à lui. So the Lord accompanies the spirit soul and he's trying to bring him back to him. Srila Prabhupada explique que le Seigneur désire toujours ardemment ramener l'âme à lui. Donc on peut se dire que le désir de Krishna il est vraiment que nous retournons au monde spirituel, pas que nous restions dans ce monde matériel. And Srila Prabhupada specified the Lord desire very strongly that we come back to him. So it's not that he's just letting us do our own experience. He really tries whatever is possible to bring us back to him. Et si nous faisons un mauvais usage de notre indépendance,
nous allons souffrir dans ce monde matériel. And if we don't use properly our independence, then we will suffer in the material world. Alors c'était, il dit chez la Prabhupada, le Seigneur nous instruit constamment de l'intérieur comme de l'extérieur, constamment. Sri Prabhupada then said that the Lord is constantly instructing us from within and from without. Alors de l'extérieur, comment Krishna nous instruit? Our Lord is instructing us from outside. Guru. Oui, Guru. By the Guru, the Vaishnava, and by the Shastra, scripture. Et aussi dans notre cœur, il explique, il essaie de nous convaincre que les activités qu'on accomplit dans ce monde matériel ne nous procureront pas le vrai bonheur. And from within, he tries to make us realize that the activities we are engaging in this material world will not give us happiness. Et là, Srila Prabhupada, il nous donne, c'est très vivant, il nous dit, abandonne l'âme suprême, le Seigneur dans le cœur nous dit, abandonne tout cela et place ta foi en l'âme suprême, en moi, et ainsi tu connaîtras le vrai bonheur. And Prabhupada is quoting the Supreme Lord, very vividly, saying yes. Lord says, give up all these activities and turn toward me, act for me, and you will know the real happiness. Et après, donc, il explique, l'homme intelligent qui place sa foi en l'âme suprême, en Dieu, va au-devant d'une vie éternelle de connaissance et de félicité. And one who put his faith in the Supreme Lord in this way, he will have eternal life of knowledge and bliss. Donc le Seigneur dans le cœur, il est très actif. So in this way, the Lord in the heart is very active. Et c'est pourquoi les yogis, leur désir, c'est de connaître ce Seigneur dans le cœur. Therefore, the yogis, their desire is to know this Lord in their heart. Et ça demande énormément d'austérité, de pureté et de pratique. But it requires a lot of practice, purity, austerity. Alors nous avons l'exemple de Dhruva Maharaj, nous avons l'exemple de Narada Muni. Nous voyons, ce sont des jeunes enfants. Ce qu'on pourrait se dire, c'est incroyable. Ce sont des jeunes enfants qui nous montrent l'exemple, mais ils sont une détermination implacable. Autant l'un que l'autre, on voit quand ils méditent sur l'âme dans le cœur, ils sont complètement focalisés, ils sont très sobres et ils veulent atteindre ce Seigneur. With the example of two devotees, but they are very young, Dhruva Maharaj and Narada Muni, very young, very like children, but they have a very unflinching determination. They are really they desire unflinchingly to know this Lord in their heart. Et c'est une grande leçon pour nous parce qu'on voit que ces désirs-là, nous ne sommes pas assez désireux de retrouver notre relation avec Krishna. And this is a great lesson for us because we can see that we are not like them, we are not sufficiently desirous to find again our relationship with Krishna. Et parce que la vie dans la conscience de Krishna est peut-être très agréable. Nous nous trouvons avec des dévots qui sont assez merveilleux, les dévots sont merveilleux, et la vie est plus facile, on a un prachat merveilleux, on a des mortiers merveilleuses, donc on peut s'endormir un peu dans la vie spirituelle. Yeah, because we are a wonderful life in the consciousness. With wonderful devotees, prasad, deities, and we may become a little asleep or pleasant in our Krishna consciousness. Maintenant, je me disais, ça serait intéressant de savoir si dans le Srimad Bhagavatam, nous avons aussi une explication du Paramatma. So I was looking in Srimad Bhagavatam where there is an explanation about the Paramatma.
Et effectivement, nous avons la forme du Seigneur, nous avons aussi sa taille, et nous avons tout est expliqué sur comment il est, comment... Voilà, ce que je vais vous lire. Yes, in Srimad Bhagavatam there is a very vivid description of the Lord in the heart. C'est le Srimad Bhagavatam 2.2.8. Le Seigneur qui réside dans le cœur. Donc, le Seigneur, il y en a, il y a des personnes, donc ces yogis qui voient le Seigneur dans le cœur, et il est grand seulement. Alors, moi je pensais qu'il était tout petit. Non, il est grand de 20 cm. So, in this chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Lord Resides in the Heart, there is a description, very figurative, very clear, of the feature of the Lord in our heart. And the first is what? Height. His height. I thought it was very small, but actually he is 20 centimeters high. Oui, c'est-à-dire, hein, c'est très bien expliqué, si la Prabhupada nous explique, c'est entre l'annulaire et le pouce. Prabhupada says the height between the head and the... C'est beaucoup. Il est vraiment grand. That's big. Il a quatre bras. He has four hands. Et il tient le lotus, donc de droite à gauche, le sens aiguille d'une montre. Donc, il a le lotus, le chakra, la conque et la masse. And he holds in his four hands in this lotus, chakra, club and la conque. Conchelle. Donc il s'appelle Janardhan, c'est le Seigneur dans le cœur. And his name is Janardhan, the Lord in the heart. Alors après c'est expliqué, sa bouche rayonne de bonheur. And it is said in Bhagavatam that his mouth is spreading happiness. Et ses yeux s'épanouissent comme les pétales de lotus. And his eyes are like lotus petals. Et là on est en train de parler de notre Seigneur dans le cœur. And we are speaking about the Lord within our heart now. Sa tunique ornée de pierres précieuses a emprunté le jaune safran de la fleur de Kadamba. And his dress, with many jewels, has the same color as the Kadamba flower. Et toutes ses parures. Yellow. Toutes ses parures sont en or, incrustées de joyaux. All his jewels, everything, is gold and embellished with jewels. Et il porte des boucles d'oreilles et une couronne étincelante. He has earrings and a very effulgent couronne. Crown. Thank you. Et là, on a la position du Seigneur dans notre cœur. Ses pieds pareils au lotus reposent sur les pétales du cœur. C'est beau, hein? And how is he there sitting? His lotus feet are on the lotus petal of her heart. Et également semblable à un lotus. Ses pieds pareils au lotus. And his lotus feet are also like a lotus. Lotus. Sur sa poitrine, on se trouve la pierre Kostuba. On his chest is a Kostuba jewel. Qui a le dessin d'un veau au trait délicat. Sur la poitrine, Kostuba. Ah, sur le Kostuba? Oui. On this Kostuba jewel, there is design a beautiful little calf. Et sur ses épaules, il y a beaucoup de bijoux. And many jewels on his shoulders. Et donc, il porte aussi un collier de fleurs. And he has a flower garland. Il a une ceinture nouée autour de sa taille, qui est nouée, c'est marqué avec goût. And he has a very nicely put ceinture. His waist. Et ses doigts s'ornent de bagues serties de joyaux précieux. And on his fingers, many beautiful, precious jewels. Les clochettes à ses chevilles, ses bracelets, sa chevelure ondulante au bleu
reflets et ointes d'huile, son merveilleux et souriant visage, toute la personne du Seigneur suscite l'enchantement. Les clochettes à ses chevilles. So his ankle bells. Ses bracelets. Rings around his wrist. Sa chevelure ondulante aux reflets bleus. His very beautiful hair, bluish. Qui est, elle est ointe d'huile. Oily. Son merveilleux et souriant visage. And his wonderful smiling face. Tout dans sa personne suscite l'enchantement. Everything about him is charming. Donc, vous voyez, dans votre cœur, le Seigneur, il est souriant, il est très bienveillant pour nous. So you can see in your heart, the Lord is smiling, very well wishing for you. Voilà. Et après, il est expliqué que ce que nous devons faire aussi dans le temple, devant la Murti, nous devons commencer notre méditation du Seigneur par ses pieds, par les lotus. And for the yogis, just like for us in the temple with the deities, we must start our meditation on his lotus feet. Voilà, les mollets, les cuisses, s'élever progressivement jusqu'à son visage. Gradually, we meditate upon his legs and the waist. And gradually up to his face. Et après on redescend. And then we again go down this meditation. Cette manière-là, on médite sur chaque partie du corps du Seigneur et en ayant toujours l'église, en ayant toujours conscience de sa forme complète. And in this way, we meditate on the different limbs of the Lord, simultaneously being conscious of him. Full form, global form. Donc on a cette idée. Après, je voulais voir d'autres caractéristiques du Seigneur. Donc, considérer, c'est important de voir que notre corps, ce corps, possède a le Seigneur dans son cœur. Donc, c'est un temple. So from that we can try to realize that in this body the Lord is residing, and therefore the body is like a temple. Et que ce Seigneur dans le cœur, il est tout le temps en train d'essayer de nous guider. And the Lord in our heart is always trying to guide us. Il ne va pas nous forcer. C'est pour ça qu'on entend. On entend cette petite voix qui nous dit des fois, non, ne fais pas ça, tu devrais faire ça. On l'entend tout doucement, c'est l'intuition. On se dit, peut-être que je ne devrais pas faire ça, mais en fait, c'est le Seigneur qu'on entend qui nous dit, non, non, ne fais pas ça. And therefore, there is this little voice we can hear sometimes, this intuition telling us that no, we should not do this, we should do that like that. It's not forcing us, it's guiding us. Et si on veut entendre cette âme, ce Seigneur dans notre cœur, il faut que le mental soit maîtrisé. And if you want to actually hear this voice coming from our heart, we have to have our mind controlled. C'est dans la Bhagavad Gita 6.6 et 6.7. C'est très bien expliqué. This is actually explained in Bhagavad Gita, the sixth chapter. C'est celui qui est serein parce qu'il a conquis son mental a déjà atteint l'âme suprême. One who is peaceful has fully controlled his mind has already reached the supreme soul. Et il explique Krishna, il voit d'un œil égal la joie et la peine, la chaleur et le froid, la gloire et le froid. Then he sees in the same way happiness and distress. Cold and heat, fame and disgrace. Dès que le mental se fixe sur sa nature supérieure, l'homme, il dit, si la pas, l'homme n'a d'autre alternative que
que de suivre les directives du Seigneur. Je peux pas dire that as soon as one fixes his mind on the Supreme Lord, then we have no other alternative than to follow his instructions. Parce que le mental, il est guidé, il doit être guidé par l'intelligence. The mind has to be guided by the intelligence. Et donc, il doit recevoir des instructions de cette divine autorité supérieure et il doit s'y soumettre. And then he must be aware of the received instructions coming from outside him, and he must surrender to these instructions. Et donc, une fois que le mental est maîtrisé, une fois qu'on a maîtrisé notre mental, automatiquement, on suit les directives du Seigneur. C'est un point très important, en fait. That's a very important point. As soon as the mind is controlled, then we can follow the instructions of the Lord. Donc, du fait qu'il atteint sur le champ cet état spirituel absolu, on parle de nous, des dévots de Krishna, l'homme conscient de Krishna n'est plus affecté par les dualités de l'existence matérielle, que sont la joie, le froid et tout ça. And then Sri Prabhupada speaks about the devotee, not the yogi, but the devotee, and he says that being immediately situated in this relationship, being controlled by his Krishna consciousness, then he is already situated in this position of equality toward heat and cold, happiness, distress, like that, the devotee. Donc on voit que les dévots, ce sont des yogis, ce sont vraiment des yogis. So in this sense, we can see that devotees are actually yogis. Puisque nous méditons, nous nous concentrons, nous faisons des austérités, tout ce que le yogi fait, essaie de faire, nous le faisons. We, just like yogis, we are also doing concentration, meditation, austerities. On va faire un petit jeu. Le Seigneur se trouve donc dans le cœur, le cœur se trouve à droite ou à gauche. Okay, where is your heart? Right or left? Left. Bon. Any other option? Donc on va mettre par la droite et sur le cœur. Right. You will put our hand on the left part. Sur le cœur, oui. On the heart, okay. On va fermer les yeux. On va chanter trois fois avec Krishna et méditer que Krishna est dans le cœur. Okay, we put our hand on the heart and then close eyes, we chant three times the Hare Krishna mantra and we try to meditate on Krishna within our heart. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alors pourquoi j'ai dit Krishna et j'ai pas dit le Paramatma? So why did I say Krishna, not the Paramatma? Parce que dans le Srimad Brahma, dans la Brahma Samhita, nous explique que Krishna, en fait, il switch. C'est le Paramatma quand on ne connaît pas Krishna. Et dès qu'on commence à servir Krishna, c'est le Krishna qui se trouve dans notre cœur. Because it is said in the prayer of Brahma, Brahma Samhita, that for a devotee, of the Lord of Krishna, when he meditates on the Lord in his heart, with the Paramatma feature, natural, then this feature of the Lord changes. It becomes Krishna himself. This is what the devotee sees in his heart, Krishna. C'est Pramasamita 5.38. Premanjana Surita Bhakti Vilochanina Santa Sadeva Kitayeshu Vilokananti Namsha Yasumita Vanti Sitaruna Swarupa Donc c'est le Seigneur, les dévots voient le Seigneur Shyamasundara dans le cœur parce que leurs yeux sont loin du bord de l'amour et de la dévotion. So this prayer
explained that the devotees, they see Lord Shyamasundara in their heart because their eyes are not anointed with love. Et c'est ce que nous apprenons dans le Bhakti Yoga, c'est justement là maintenant où on peut voir l'importance de l'adoration de la Murti dans le temple. And this is what we are learning as Bhakti Yoga. And we can see also in this way the importance of the relationship with the deity. Parce que le Seigneur, c'est ce qui l'intéresse, c'est la dévotion. Bhaktiamana, Bhijanati, Bhavanyash, Chasitatvata. Donc ce qui l'intéresse, Krishna, c'est la dévotion. What is important for the Lord is our devotion. Et de pouvoir servir la Murti dans le temple, ça nous permet justement de retrouver notre relation avec Krishna. And to be able to serve the deity in the temple allows us to re-establish our relationship with Krishna. Donc on voit que quand on vient le matin, on vient, en fait, on se présente devant le Seigneur en lui disant, voilà, cher Seigneur, je suis ton serviteur, que veux-tu, comment veux-tu que je te serve aujourd'hui? And when we, when we present ourselves, and come to in the temple, we present ourselves in front of the Lord, in the deity form, and we say or we think, my dear Lord, how do you want me to serve you? Si nous pensons que la Murti, c'est juste du marbre, le Seigneur, il ne va pas correspondre avec nous. If we think that the deity is only a marble statue, then the Lord will not relate with us. Mais si on comprend qu'en fait c'est vraiment Krishna que le maître spirituel, il a demandé au Seigneur de venir, et que c'est vraiment le Seigneur qui est Krishna Balaram en l'occurrence, puisque nous sommes parlant de l'installation, eh bien le Seigneur va, nous, va se relier à nous, va nous parler. But if we understand that the Lord is actually there in his deity form, the spiritual master has asked him to come and manifest himself in this way for offering his service, then the Lord, if we are in this relationship, the Lord will guide us, he will speak to us. Et je peux donner une petite expérience que j'ai eue avec donc, Krishna Balaram. I had a little experience with Krishna Balaram. J'avais une très belle photo de Krishna Balaram quand nous étions à Bordeaux. I had a very beautiful picture of Krishna Balaram where we were living at this time in Bordeaux. Mon mari Gopasone Prabhu était médecin, donc nous n'étions plus à la Nouvelle Mayapur et nous avions trois enfants. I was working, we are not in New Mayapur and we had three children. On faisait notre programme le matin, on chantait le tour, c'était, on a essayé de garder la vie du temple, mais on était très loin des dévots, très loin du temple. We were far from the temple, from the devotees, but still we were trying to maintain our morning program. Et j'avais donc cette très belle photo de Krishna Balaram, et un jour où je peignais, on avait des adolescents, c'était très difficile, pour moi des fois j'avais du mal à les contrôler. Et un jour, que j'étais désespérée, j'ai regardé cette photo de Krishna Balaram et je leur ai dit, cher Seigneur, je n'y arrive plus, il faut que vous veniez m'aider. And one day, you know, like our boys are teenagers and as often, they were very difficult to control. And one day I was really desperate and I spoke to this teacher, Krishna Balaram, saying that, please, you know, you have to help me now, it's too much. And you have to come. I don't know. Non, je leur ai dit, vous devez venir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce qu'ils étaient, pour moi, ils étaient loin, ils étaient à la Nouvelle Mayapur. Mais j'ai demandé, vous devez venir m'aider. C'est ça que c'est important. I even told them, I'm far from New Mayapur, I see you there.
So you have to go to help me. I don't know why I said that, but I said you have to go to help me. Le soir, Dhananjaya Prabhu, il va s'en rappeler, il a téléphoné en disant, est-ce que vous voulez des mortis de Krishna Balaram? Je vous les apporte. And this very evening, Dhananjaya Prabhu called and said, I am coming tonight with Pritu Prabhu. And if you like, I can bring you some deity de Krishna Balaram. C'est incroyable. Elles sont venues et maintenant à l'éco-gîte, on les a mises, elles sont, si vous voulez, vous pouvez venir les voir, elles sont venues pour m'aider et elles m'ont aidé. And then we receive those beautiful deities and then we always kept them with us everywhere. And now they're in this Gokadam Eco House. You can come and see them, very beautiful. Donc là j'ai essayé de vous montrer donc, le Paramatma dans le cœur. Après prendre conscience que c'est Krishna en fait qui est dans notre cœur. Vous vous rendez compte que Krishna est toujours avec nous. Chacun d'entre nous, Krishna est toujours avec nous. Si on se sent seul, c'est qu'on oublie ce point important, c'est qu'il est toujours avec nous. Et il est toujours, il veut nous aider, il a un sourire, il est souriant, Krishna. So I try to explain how the Lord is present in our heart as Paramatma, and for us as devotees, He manifests Himself as Krishna Himself, and He is smiling, He is well wishing in the heart of each of us. I hope that will help you. On est dans un très beau mouvement. Srila Prabhupada nous a rendu les choses faciles et ses teneurs et portées, c'est merveilleux. We are in a very beautiful movement. And Srila Prabhupada made everything easy. His purport are so clear and so inspiring. Srila Prabhupada ki jai. Krishna Balaram ki. Yes, today is the 48th anniversary of the installation of Sri Krishna Balaram by Sri Prabhupada ki. Maybe there will be some external expression of ecstasy. Maybe some Abhishek, I heard, are trying to organize it. And also Parikram with small deity of Krishna Balaram in their new mind. Or peut-être un Abhishek ce matin, puis un petit Parikram avec les petites mortes de Krishna Balaram dans leur nouvelle maison. What time? It's not yet defined, so usually it's either before the 1 o'clock class or after, before the feast. Yeah. So, en français, s'il te plaît. Oui, en principe, si le parikram, ça va être après la classe et avant le festin. Peut-être avant, pour venir aussi à la fin, je pense, bien sûr. C'est difficile après la classe, pendant le festin. Ça va être un peu la chose. C'est difficile après la classe et avant le festin. Ouais. C'est bien, il y a beaucoup de monde, justement. Après la classe et avant le festin. Ah oui, c'est bien. Il faut prévenir le cuisinier. Mais bon, avec Krishna. On ne peut pas les coacher sur le coup. Oui, c'est tout de même.